Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est TGF pour un jeu sorti en 1996 sur Nintendo. Il s'agit de... il s'agit de Wave Race 64. Donc un jeu de jet ski, c'est un let's discover de ce jeu-ci. Parce que c'est un jeu quand même qui a été un peu oublié, parce que c'était un jeu, on va dire, qui était un peu surprenant à l'époque, parce que c'était assez rare d'avoir un jeu de jet ski sur une console de cette époque-là. Et franchement, ce jeu proposait quand même des belles choses pour l'époque. Comme vous voyez, les graphismes sont assez bien pour un jeu de 1996. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est un let's discover. On va essayer de découvrir tous les types qu'on peut avoir sur ce jeu. Donc, en commençant par le mode Championship, donc le mode le plus important, qui nous permettait d'avoir en fait une sorte de warm-up déjà sur le premier circuit avec n'importe quel Watercraft, avec n'importe quel joueur, parce qu'en fait il y a 4 types de personnages. Il y a Ray Ayami, Andy Stewart, Mr. Jeter et Dave Mariner. Donc sachant que chacun a sa, on va dire, a sa maniabilité, parce que on va dire c'est assez compliqué à savoir, mais on peut justement customiser la capacité du jeu, la capacité du joueur au niveau du jeu, de l'engine, enfin de la puissance, on va dire de la dextérité et on va dire du grip qu'on a sur le jet ski. Donc on prend toujours Mr. Jeter, c'est celui que j'aime le mieux. Et donc on va commencer un petit warm-up sur le Dolphin Park. Puisqu'en fait le première partie des circuits proposait justement cette info, on va dire, ce tutoriel en fait pour le jeu. Et donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec Mr. Jeter. Bon, bien sûr, là c'est pas vraiment pour jouer, hein. C'est vraiment, on va essayer de faire ce qu'on peut. Et puis après on va essayer de faire le championnat. Et puis différentes parties du jeu. Donc c'est justement la petite surprise du nouvel an. Jouer l'arrêt réservé, parce qu'en fait vous pensiez que c'était le petit épisode de Let's Play sur Lego Racer. Eh ben non, c'est celui-ci. C'est ce petit Let's Discover sur un jeu sorti assez important quand même. Pour un jeu de 1996 quand même, on peut dire qu'il est pas moche, hein. C'est un jeu qui est sorti un peu dans la line-up de la Nintendo 64 avec Mario 64, qui est prévu d'ailleurs dans les prochains Let's Play. Mais franchement, je peux vous dire, pour un jeu de cette époque là c'est vraiment pas moche du tout. Donc on peut commencer la course, hein. On a fait un petit tutoriel, on y va pour 6 courses. En commençant par Sunny Beach. Alors à savoir que ce jeu se joue donc avec les bouées, et en fait vous allez voir, chaque bouée va vous apporter un gain de puissance. Donc on y va, hein, bien sûr, on bat le premier, bien sûr, c'est pas très compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est quand t'arrives en expert et que t'as les 8 circuits du jeu, c'est très compliqué. Et donc là on a une maximum power, donc on peut aller beaucoup plus rapidement. Justement chaque bouée réussie permet en fait de gagner de la vitesse. Or, si on rate une bouée, on perd toute la puissance qu'on a gagnée. Voilà, c'est en gros le principe du jeu. Sachant que ce jeu, franchement, proposait des belles choses pour l'époque. Bon, vous avez vu, je suis 4 minutes d'avance, hein. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on perd la puissance. Voilà. Donc on va beaucoup moins vite et c'est beaucoup plus on perd du temps sur les derniers. Hein. Sur les premiers, on perd du temps. Donc on continue, hein, toujours. Donc on arrive à 24 secondes. Sachant aussi bien sûr que sur certains circuits, pas sur celui-ci, mais sur certains circuits, on va dire l'avancée du Bowl Lap détermine, on va dire, le niveau de l'eau. Des fois c'est surtout sur une certaine island, le dernier circuit de ce championnat. Vous allez voir que justement le circuit dépend vraiment de la possibilité. Et donc on est premier, pas trop de soucis. Sachant que le premier gagne 7 points, le quatrième, le deuxième 4 points, le deuxième, le troisième 2 points et le quatrième 1 point. Et donc bien sûr le principe c'est de rester premier le plus longtemps possible. Donc le deuxième circuit, Sunset Bay. Alors, ce qui est aussi intéressant en jeu, c'est que franchement ça proposait quand même un tête challenge, surtout dans les circuits experts, parce que par exemple, quand j'ai voulu y rejouer il y a peu de temps, il y a eu quand même des soucis à battre le.
le champion n'est pas l'un des trois, l'un des trois qui crée en fait comme rival. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours l'idée de rival. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même de manière du challenge, quoi. Sur les quatre circuits, on a quand même du challenge. Bon, pas trop en easy parce que c'est pas normal, parce que c'est quand même assez facile d'abattre. Mais quand tu arrives dans les domaines du Advanced et de l'expert, du hard et de l'expert, tu vois quand même qu'il y a quand même des soucis. Alors, désolé, j'ai le petit ralentissement, c'est à cause de Craps, hein. Monsieur. Je suis là. Le dernier monsieur là, je me suis apporté. Hop, oula. Alors, ce jeu proposait quand même des belles choses, puisqu'en fait, on arrivait à voir les 8 circuits, et en fait, il y a aussi une mode miroir qui existe quand on développe tous les circuits. On développe tous les circuits, t'as le mode miroir, qui est en fait le mode inverse. Tu vas faire tous les circuits en mode inverse. J'ai déjà débloqué, hein, pour dire, du gars qui est le jeu. Mais c'est vrai que ce jeu, franchement, pour un jeu qui était, on va dire, assez compliqué, parce que ce jeu-là est quand même un jeu qui est un peu surprenant pour un jeu de Monster Quest, qui ça intéresserait, on va dire. Enfin, c'est surtout que certains diraient ça. Mais je peux vous dire, pour l'époque, il proposait quand même des belles choses, et ce jeu a eu une suite sur Nintendo GameCube. Ça s'appelle Wave Race Advance, je crois. Et donc c'est justement la suite du jeu, en fait, améliorée bien sûr, parce que c'est quand même la GameCube, hein. Mais je peux vous dire que c'est assez intéressant. Donc problème circuit Great Lake. Donc on continue pour voir si on réussit à battre tout le monde, hein, sur ce circuit. Sachant aussi que voilà, comme là je lâche justement, c'est l'un des circuits, justement il y a quand même une modification. C'est-à-dire que la brume que vous voyez au premier tour disparaît au troisième tour, disparaît au fil des tours. Donc le premier tour est assez difficile, mais après vous allez voir que ça va être plus facile dès que la brume sera levée. Alors là on va essayer de faire ce qu'on peut, hein, bien sûr, sachant qu'il y a toujours on va dire une sorte de on peut appeler ça, comment je peux appeler ça, de... Tu vois, vous voyez bien que la flèche dit dans quel sens faut aller, quoi. Right or left. Enfin, gauche ou droite. Donc là, par exemple, là, les boules L, c'est à droite. Et les boules rouges, c'est à gauche. Voilà, vous voyez quand même que la brume commence à se lever. Et qu'elle est carrément levée, là, sur le circuit. Là, si on arrive même à battre le record que j'avais effectué dans le circuit 1, je crois. Donc on continue, on va essayer de voir si on peut battre tout le monde. Alors, je vous dis pas que je vais réussir. Alors hop, on y va. Alors on va voir, attention, est-ce qu'on bat le record? Ah, ils l'ont raté parce qu'en fait j'ai fait un mauvais arrêt. Et tu voyais donc justement il y a toujours la cérémonie de victoire qui est vraiment assez intéressante. Et donc toujours premier sur les trois premiers circuits, donc c'est normal, hein. Et on continue sur le premier circuit qui s'appelle Marine Fortress. Welcome to Marine Fortress. Voilà, comme il dit, Marine Fortress, qui est quand même un circuit, on va dire, qui n'est pas compliqué, mais qui est assez marrant, parce que justement il y a un muret qu'on peut sauter si on débrouille bien, en débrouillant bien. Voilà ce qui se passe, voilà ce que je voulais vous dire. Le muret est sautable, donc j'avais gagné un petit peu de temps, j'avais gagné 2-3 secondes sur les produits, sur le deuxième. C'est vrai que ça peut être très intéressant quand tu es en max en full vitesse et que vraiment tu as on va dire que tu as voilà. Bien sûr, hein, évidemment, je rate win, non. Bon, quand même les autres ont l'air derrière, donc ça va. Mais quand même ça me fait chier de ne pas avoir de vitesse. Ça fait un peu embêté. Hein. Donc c'était surtout tout le long, c'est vrai que vous avez une surprise que j'avais prévu, justement l'épisode de l'épisode que j'ai prévu, hein, c'était un peu qui était prévu. Et ça c'est vraiment au hasard, là, je me suis dit quel jeu pourrait vous intéresser pour le nouvel année. Je me suis dit allez, on va faire un jeu qui est quand même assez surprenant, parce que c'est un jeu qui est assez compréhensible quand même, même si c'est un jeu de l'ordre avec l'E64, je veux dire que certains n'ont pas eu ce jeu là, quoi. Et c'est vraiment drôle, parce que je vais quand même proposer du challenge, et quand même, on va dire, pour un jeu de 1996, donc c'est en même année que
que le que Mario que Super Mario 64. Je veux dire quand même, les graphiques ne sont pas moches. Et quand même, les choses sont quand même pas mal faites, surtout au niveau des directs des lags. Il n'y a pas vraiment de bug de collision non plus, c'est assez surprenant pour un jeu de l'époque. Et puis ce jeu aussi proposait quand même des belles choses aussi dans le domaine du jeu en plusieurs, puisqu'en fait vous pouvez jouer à deux sur ce jeu-là. Bon, vous allez me dire comme Lego Racer, certes, le Lego Racer aussi vous pouvez jouer en duel, mais que je dois, pour un jeu comme ça, ça fait un quand même assez intéressant pour un jeu d'époque. Et donc on gagne toujours un 4ème victoire, hein, c'est pas très compliqué. C'est le premier type de son. Next round. Donc, prochain circuit, Port Blue. Et donc on continue. Donc on y va, hein. On va essayer de voir si on arrive à battre tout le monde. Attention, on y va. Alors toujours le même principe, hein. Et chaque circuit a sa musique, c'est vraiment assez intéressant. Parce que c'est vrai que ce jeu-là, il nous est quand même de belles choses. Alors, sachant que ce jeu est sorti donc avec la NL de 1964, donc avec la 1964, donc quand même, on va dire, a été assez, on va dire un peu mis de côté, mais c'est vrai que ce jeu quand même proposait, on va dire, aussi des belles choses au niveau graphique, enfin, je veux dire que pour l'époque, les graphismes ne sont vraiment pas mauvais, et aussi que le jeu proposait quand même une bonne possibilité de jeu. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre quand même beaucoup de temps à battre les records, parce que même c'est aussi principe, c'est-à-dire qu'il fallait battre les records pour aller pour avoir à peu près tous les types de circuits là, c'est vraiment très intéressant. Quoi. Et bien sûr, bah, je fais un mini, ça se permet. D'ailleurs, on a le droit à 5 minutes, on a le droit à 5 ratés de jouer. Sinon on est retiré en fait, on est disqualifié. Ça c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que le fait qu'on peut être disqualifié parce qu'on peut, on va dire, on arrive à plus de bouées que prévu. C'est vraiment assez intéressant de voir ça. Alors, j'aime me contenter quand même pour pas que vous mettez vraiment un bon jeu quoi. Et ouais, on y arrive et on gagne. Donc 5ème circuit, 5ème victoire, pas de soucis. Et donc voilà le dernier circuit qui s'appelle Super Mario Land, et justement ce que je vous disais par rapport au niveau de l'eau, c'est ce circuit là. Parce que ce circuit là quand même propose un niveau de l'eau moins élevé selon le tour où on est. Vous allez voir par vous-même. Alors, je vais se présenter. Power. Toujours donc... toujours principe des bruits, et là on peut faire un petit raccourci. Alors je me trompe. Ouais, parfait, j'ai pris un petit raccourci. En fait ça faut le savoir, hein. Des fois il y a des raccourcis justement sur certains circuits. Il peut y avoir des raccourcis surtout sur celui-là, parce qu'en fait sur le premier tour que je peux faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire en fait, et là je vais tout bien sûr taper sur le jeu ou sur le Twitter. Alors sachant aussi que, on va dire, ce jeu se termine toujours, enfin, les circuits se terminent toujours par celui-ci, parce que quand même, il propose quand même des, on va dire, des fluidités assez difficiles à battre, parce que, on va dire, les autres étaient, on va dire, avares, par exemple, quand c'était premier, que j'avais 2 points d'avance sur le deuxième, il était tout pour se battre.
Donc voilà ce que je disais, hop, toi, tu peux aller sur le bateau. Tu peux aller sur le bateau et justement récupérer récupérer l'autre côté au lieu de traverser le, au lieu de faire un tour sur le bateau. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Et donc, malgré les ralentissements qui sont assez nombreux là, et qui m'inquiètent un peu, là, pour que quand même c'est chaud. Bien sûr, évidemment, bah, j'arrive deuxième, hein, pour, ça va être dur, hein. Dave Mariner, il m'attend de, il m'attend de pied ferme, mais il m'a battu, non. Ah, quoi que. Oula! Ça joue pas grand chose! Ouh! Ça s'est pas joué à grand chose, mais j'ai réussi! Yes! Et donc là, c'est fini, hein. J'ai toujours 7 points d'avance, hein. Et j'arrive toujours... J'ai fait un sans faute 42 points. Ce qui est le plus gros truc qu'on peut avoir. Et donc, voilà, la petite cérémonie de victoire. On va pas passer, parce que c'est quand même beau. Et puis après, on va faire la partie stunt et stunt trial pour monter les différentes parties du jeu. Congratulations! Voilà, donc il montre justement ce qu'on a fait. Donc les différents rounds, et on a réussi quand même à faire un nouveau record sur Blacktake, hein, bravo. C'est quand même pas mal. Et puis sur Portbou aussi. Donc c'est vraiment pas mal, je suis content de ce que j'ai fait. Et donc bien sûr, le total point ranking, donc 42 points pour Mr. Jeter, Dave Mariner à 20 points, Jayami à 12, et Andy Stewart à 10. Et bien sûr, on peut challenger la nouvelle classe. Et on a le record, donc on est toujours mon petit surnom, hein, comme vous connaissez maintenant. T. G. F. Allons-y. End. Et donc voici les circuits, on va dire, il y a toujours le principe que chaque circuit a son intérêt. Et donc on continue, hein, on continue après avoir fait le... On va faire un time trial, hein, bien sûr. Toujours avec notre petit Mr. Jeter. Et on va aller sur le circuit qu'on peut avoir en deuxième possibilité. C'est-à-dire Twilight City. En A, bien sûr. Alors... Ce jeu propose quand même des belles choses, hein. Pour vous dire, ce jeu-là, franchement, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de jouer avec vous. Même si c'est un peu surprenant pour l'époque, hein, je veux dire, c'est assez... assez tâche. Donc là, justement, vu que j'ai déjà fait un record, il faut essayer de le battre. Faut essayer de le battre même si on a pas de mal. Bien sûr, ce qui est aussi intéressant, c'est que justement ici, il y a quand même des différences au niveau du niveau de l'eau, hein, qui est un peu moins élevé par on va dire la puissance des coups. On va voir comment on va faire. Pas mal pour un début. On continue, on va voir si on peut battre le record, c'est bien. Je sais pas que je réussisse, hein, mais je vais essayer de faire ce que je peux pour essayer de vous donner une petite idée, hein, de futur. Hein. Parce que franchement, ce jeu-là, pour un jeu d'époque, enfin, je veux dire, pour... justement, c'est bizarre que justement, il n'y ait pas eu de suite sur Wii, parce que franchement, un jeu comme ça, je vais vous dire, je l'aurais acheté. Parce que c'était quand même un jeu qui proposait du challenge, c'était un jeu aussi qui proposait quand même pas mal de choses, c'était un peu une demande pour l'époque. Donc voilà, c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir de jouer à ce jeu-là. Surtout que ce jeu-là est vraiment intéressant, quoi. Il est vraiment intéressant parce que on faisait quand même des belles choses, dire ce jeu là franchement, même si on dit c'est un peu bizarre comme jeu, c'est, on va dire, c'est un ovni, hein, parce que c'est vrai que ce jeu là il n'y a eu qu'une seule suite sur GameCube, mais après il n'y a pas eu vraiment de suite sur ce jeu là alors que franchement, je pense que ce jeu là il aurait pu devenir un très bon style de jeu. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, le jeu est sponsorisé par Kawasaki, enfin, le truc Kawasaki. Et bien sûr, on bat le record, c'est très bien, c'est une bonne nouvelle, comme vous avez vu juste avant. La modestie. Donc voilà, on a réussi le nouveau record. C'est beau, hein, le rouge, c'est beau, ça veut dire qu'on a réussi quand même à battre le record. Et on quitte la game, on quitte le jeu juste pour faire la partie stunt, et ce sera bon. Donc vous avez vu, ça a été sponsorisé par Kawasaki Jet Ski.
voudrais me dire pourquoi. Parce que c'est un peu bizarre quand même qu'il soit justement fait par... Parce qu'en fait, tous les jet skis sont d'origine Kawasaki. C'est ça aussi qu'il y a derrière temps. Enfin, qui est assez... c'est une anecdote du jeu, mais c'est vraiment mal. Donc on va faire du stunt maintenant. Alors avec une course qu'on n'a pas fait en fait, une course qui s'appelle... une course qu'on a fait mais qu'on n'a enfin, pas fait mais que j'ai déjà fait moi-même. C'est d'autres stars qu'on avait été vu. Et on va vous montrer comment faire pour battre le record. On va voir. Voilà, comme ça on réussit quand même. Bon. Allez, bien sûr, j'ai raté là. Alors, on va essayer de faire un petit peu. Et depuis le jour, il y a tous les matchs qui sont importants. Il y a un petit point à vérifier. Et c'est assez étonnant des fois. Et bien sûr, j'ai pas réussi. Hein. Je vais essayer de faire un autre circuit pour vous montrer quand même. C'est quand même assez intéressant celui-là. Donc on continue. Et on est deuxième, bien sûr. Et on fait une deuxième course pour vous montrer justement comment réussir à battre le record. Donc on va faire. On va faire Marine Fortress. Donc le circuit que je vous ai dit qui est vraiment pas mal du tout. Et donc ce qui est intéressant aussi c'est que justement là c'est vraiment une houle. Franchement le jeu pose quand même des belles choses hein, pour l'époque. Alors faut essayer d'avoir devant le. Vous voyez le circuit est assez. Oh, j'ai bloqué le mur, c'est beau ça. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe quand on arrive juste après la fin du circuit, hein, bien sûr. Voilà. Là, vous allez voir ce qui se passe quand on n'arrive pas après le time zone, voilà. C'est pas Et on va se terminer sur ce petit time zone. Voilà, c'était, on va dire, un des discovers sur ce jeu. Alors vous allez me dire, c'est un jeu assez surprenant, mais quand même qui propose quand même des belles choses pour les gens. Voilà. C'est le petit surprise du nouvel an, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour les deux de l'Égourissant dans quelques jours.